Voilà maintenant 4 mois que Aurélien Antovan est parti à New York pour ses études supérieures. Ce Noël, Carla Bruni l'a donc passé sans son fils. Heureusement, sa petite Julia était là pour lui changer les idées. À défaut d'avoir pu fêter Noël avec son fils, Carla Bruni a pu compter sur les câlins de sa fille. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la chanteuse s'est saisie de son compte Instagram le 25 décembre pour partager une nouvelle photo d'elle avec Julia, 10 ans, la fille née de son mariage avec Nicolas Sarkozy. Sur le cliché, l'ex-mannequin et interprète de 54 ans apparaît en plein câlin avec sa fille, dont elle prend toujours le soin de dissimuler le visage. Mon cadeau de Noël. Tu nous manques @antovan. Joyeux Noël à vous tous, Carla Bruni a-t-elle écrit, en 3 langues, en légende de sa publication. C'est effectivement loin de son fils Aurélien, 21 ans, qu'elle a ouvert ses paquets puisque celui-ci était à New York. Lui aussi actif sur Instagram, Aurélien Antovan a d'ailleurs partagé quelques photos de son Noël outre-Atlantique. Loin d'être démoralisé loin de la France et de sa mère, le jeune homme aux étonnantes convictions souverainistes apparaît tout sourire, au restaurant, en compagnie d'une jolie jeune femme. S'agit-il de sa petite amie? Rien n'est moins sûr. Étudiant à Sciences Po, Aurélien Antovan est parti aux États-Unis l'été dernier pour y poursuivre ses études à la prestigieuse Université de Columbia. En novembre dernier, Carla Bruni s'était envolée pour New York afin de passer quelques jours avec son fils. Ravie, elle avait partagé sur Instagram quelques photos de ses retrouvailles tant attendu un bonheur qui lui ferait presque oublier sa peine lorsqu'Aurélien a quitté le domicile familial, il y a plus d'un an. Cette séparation lui a d'ailleurs inspiré la chanson « La chambre vide », présente sur son dernier album éponyme, sorti en 2020.